What's up les gars, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. On va parler de The Weeknd et de Cher. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et let's go pour la story. Attends, en parlant de The Weeknd, j'ai toujours pas écouté son album les gars. Franchement, je déconne. Dites-moi ce que vous en pensez de son album. Est-ce qu'il est lourd? Parce que moi, j'ai écouté juste un son. Mais le son que j'ai écouté, il était trop doux mon frère. C'est pour ça qu'il faut que j'écoute l'intégralité de son album. Mais tu connais, j'ai toujours envie de vous faire plaisir. Les vidéos, ça prend trop de temps. Bref. En tout cas, The Weeknd est au cœur d'une mini-polémique. En 2012, le roi du R&B, Usher, avait sorti le morceau Climax, un titre extrait de son 7e album qui s'appelle Looking For Myself. Il a même reçu un Grammy Award de la meilleure performance R&B en 2013. Mais, tu connais frère, il y a toujours un mais. The Weeknd estime que Cher avait plagié l'ambiance et le son de son excellente première mixtape House of Balance qui était sortie en 2011. Dans une longue interview au magazine Variety, il dit « House of Balance a changé la musique pop à mes yeux. J'ai entendu le son Climax de Cher et je me suis dit « Putain, mais c'est du The Weeknd ça !» C'était flatteur. Je savais qu'il faisait un truc bien, mais j'étais aussi énervé. Mais plus je vieillis et plus je me dis que finalement, c'était une bonne chose. Lorsque Usher sort ce morceau, The Weeknd n'était pas une star internationale comme il est aujourd'hui. Son manager, Wassim Slaybi, explique la situation. Les gens ont vu l'ascension, mais ils n'ont aucune idée du travail qu'Abel et sa petite équipe ont fait pour obtenir ce succès. Abel a créé cette nouvelle tendance R&B sur laquelle tout le monde surfe aujourd'hui. Usher a bien évidemment réagi et il a lancé le hashtag Climax Challenge, dans lequel il reprend son titre a cappella et invite les gens à en faire autant. Il y a même le réalisateur du titre Climax qui s'est expliqué sur Twitter, Major Lazer, la production de Climax s'inspire de l'époque House of Balance. The Weeknd a répondu, bien sûr, les médias ont exagéré les choses et sorti les propos de leur contexte. Usher est le roi et sera toujours une source d'inspiration. Ça a été très flatteur d'entendre ce que lui et Diplo ont réussi à faire avec Climax. Voilà les gars, maintenant vous savez tout de la petite polémique qu'il y a eu entre Usher et The Weeknd. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est vraiment réel que Usher a copié un peu le flow de The Weeknd. En tout cas, The Weeknd veut faire comprendre que c'était pas un pic, c'était pas un clash, c'était pas mal ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, c'était juste un constat. Et les médias, ils ont exagéré en mode ouais, tu vois, c'est un pic, c'est un clash. Donc dites-moi ce que vous en pensez, écoutez les deux titres et vous me dites s'il y a une ressemblance. Et on se retrouve très bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. Ooh. All my dick, she like a Lego, never Lego. Yeah. Him, I stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Killer, he might have done open the hole. Hit my metro if it's about the pencil. Yeah. Like it's go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dickest then the bitches in the back, just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. Ooh. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Yeah. To wet your babe up, Michael Phelps with it. Hell.